Bon, alors je vais lire un chapitre intitulé Police française ouvrée, qui se passe donc le 16 juillet 1942, que j'ai mis sur mon blog de Bibliops. En fait, c'est un blog qui est hébergé par le Nouvel Obs, par le site du Nouvel Obs, et je l'ai mis parce que d'habitude je fais des petites critiques ou revues de livres, mais là j'ai mis un extrait de ce manuscrit, d'abord parce que c'était une sorte de triste anniversaire, 70 ans, c'est le 16 juillet 42 au 16 juillet 2012, mais aussi pour qu'on lise un peu, étant donné que je ne trouve pas d'éditeur pour ce manuscrit. Donc là, sur le blog, j'ai à peu près 2000 visites par mois, donc j'espère que quelques-unes ont lu, quelques visiteurs ont lu. Bon, voici le chapitre en question. Le jeudi 16 juillet à 6h du matin, des coups sont frappés d'un point déterminé sur la porte. Paula, qui se lève tôt, finit de boutonner son chemisier à la hâte. Une voix dit « Police française, ouvrez !» Deux gardiens de la paix poussent la porte à peine entr'ouverte, entrent, déclinent les identités de Paula et de René. Cette dernière se lève de son lit, en chemise de nuit et les yeux gonflés de sommeil. Ses sœurs, plus promptes au réveil, passent leurs vêtements en quatrième vitesse dans la chambre à côté. Un des hommes est rablé et court sur pattes. L'autre, plus grand, porte d'épaisses moustaches qui tombent sur sa lèvre supérieure. C'est lui qui ordonne « Dépêchez-vous, finissez de vous habiller, on vous emmène. » Quelques secondes de flottement, comme le temps suspendu avant un basculement, puis l'ordre est réitéré d'un ton menaçant. « Allez, vous deux, faites vite, et si vous ne vous dépêchez pas, vous n'emporterez rien. » Vous deux, la mère a bien entendu, et mes deux autres filles, fait-elle en désignant Léa et Betty. Elles ne figurent pas sur la liste, et on ne va pas y passer la journée. Soudain, notre mère se jeta à genoux, en serra les jambes du petit Rabelais en sanglotant, le visage dans le tissu rêche de la bordure inférieure de sa pèlerine. « Si vous nous emmenez, vous nous emmenez toutes les quatre, je vous en supplie. » Il la repoussa d'un geste brusque. Son collègue l'aida à relever maman, tombée sur le côté et recroquevillée sur elle-même dans une position fétale. « Ne nous compliquez pas la tâche, madame. Faites ce qu'on vous dit et tout ira bien. » Instinctivement, nous nous serrions les unes contre les autres. Le moustachu commença à s'énerver. Il me bouscula ainsi que Betty en nous écartant de notre mère et de René. Affirma « Vous, on veut pas de vous ». Alors ce fut le hurlement de Betty, qui enlaça maman avec la force du désespoir, tenta de s'enrouler autour d'elle, comme le ferait une liane d'un arbre robuste. « Maman, on va te déporter, maman, je ne veux pas. » J'allais vers ma sœur, caresser ses cheveux, lui demander « Calme-toi, Betty. » Paula se dégage, habitée par une détermination soudaine, comme si elle avait décidé, faisant écho aux paroles des agents, d'en finir le plus tôt possible. Ses gestes sont saccadés, est-ce d'affolement ou de colère? Des gestes qu'elle semble à peine contrôler en jetant un drap au sol, où elle balance pêle-mêle du linge, quelques vêtements. Un ordre vient la stopper. On n'a pas le droit d'emporter grand-chose, pas plus d'eux. Elle hoche la tête sans un mot, va prendre dans l'armoire des blouses de travail, au moins 6 qu'elle tend à René. Puisqu'on va travailler, on en aura besoin. Mets-en le maximum sur toi. Et chacune des deux femmes enfile 3 blouses les unes sur les autres, pendant que les deux hommes continuent à leur ordonner de se dépêcher. Les blouses superposées sur elles, impossible de boutonner le manteau mis par-dessus. Mais les agents en uniforme les poussent déjà vers la porte, tout en écartant Léa et Betty qui tentent de s'agripper à leur mère, de l'embrasser. Cette faveur leur est refusée, tant il faut faire vite. « Allez, allez » répète-t-il en anticipation au « Schnell, schnell, raus, raus ». L'agent aux courtes pattes leur
leur jette comme un os à des chiens. Vous avez qu'à attendre, vous les embrasserez quand elles reviendront. Dans l'escalier, c'est le silence, puisque Paula et ses filles sont la seule famille juive à habiter l'immeuble. Alors, elles descendent les marches en faisant attention à ne pas faire de bruit pour ne pas déranger les voisins. Restée seule, Léa entraîne sa sœur tremblante de tous ses membres vers la fenêtre. « Calme-toi, on va les voir partir, n'aie pas peur. Ce sont des hirondelles qui sont venues les chercher, pas des soldats allemands. Des Français, tu comprends, on peut leur faire confiance. »